silence me glace le sang. La plupart des animaux sauvages ont dû déserter la forêt en feu. Et je suis certaine que d'autres ont encore peur de quitter leur tanière. Visiblement, le feu magique de Valtor a été vraiment dévastateur. La forêt des bois verts est particulièrement inhospitalière dans cet état. Tout semble calciné. C'est épouvantable. Courage, Flora. Souris. Faragonda compte sur nous. Si on fusionne la magie du fluide vital à l'énergie de la nature, je suis sûre que la végétation de la forêt va repousser en un rien de temps. Alors, Layla, est-ce que tu te sens prête pour la convergence? C'est quand tu veux. Convergence! Sève, pourpre et eau, redonnez vie à la forêt des bois verts! Oui, on a réussi! La forêt des bois verts est sauvée! Je n'arrive pas à y croire, elle est encore plus belle que la première fois! Oui, reste à savoir si les animaux vont être d'accord avec toi. On ne va pas tarder à le savoir, allons-y! J'ai vraiment eu l'impression que tout était fini et perdu. Et au contraire, petit à petit, tout semble rentrer dans l'ordre et redevenir normal. L'attaque de Valtor a eu un résultat plus dévastateur qu'on ne pensait. La reconstruction de la cité ne sera pas très rapide. Le tremblement de terre a causé beaucoup de dégâts à Magix. Et je crois que les Wings ont encore beaucoup à faire. J'en conviens, mais je tiens à souligner leur courage et leur ténacité. Elles ont bien du mérite. Arriver à vaincre la menace de Valtor était une entreprise difficile et désespérée, mais par chance, Bloom et les autres ont su se montrer à la hauteur. Valtor, je sais que tu as survécu. Tu ne peux pas me duper. Nous avons le même pouvoir, la flamme du dragon. Et je la sens encore brûler en toi. Où es-tu? Qu'est-ce que tu complotes? Bloom? Est-ce que tout va bien, Bloom? Oh, Madame Faragonda, je ne vous avais pas entendu arriver. Quelque chose ne va pas? Oh non, je n'ai rien, j'ai juste la sensation que... Tu sens la présence de Valtor, n'est-ce pas? Oui, je la sens, mais je ne voudrais pas tous vous alarmer inutilement. Ah, Bloom, écoute-moi. Je sais qu'il t'est difficile de l'admettre, mais si tu sens encore sa présence, alors dans ce cas, ça ne fait aucun doute, Valtor est en vie. Regarde, il y a un homme juste en dessous, on dirait qu'il est encore en vie. Je préviens les autres. On arrive, Brandon. Aidez-moi. Accroche-toi, tiens encore un peu et je vais te libérer. Pathétique. Non, c'est impossible! Je ne peux pas croire que Valtor ait réussi à survivre! Il y a autre chose. Nous avons lutté de toutes nos forces. Mais Valtor nous a terrassés sans aucun effort. Après, la suite est un peu plus floue. Je me souviens d'avoir perdu connaissance, et quand j'ai repris conscience, Valtor m'a dit... Estime-toi heureux, c'est toi le plus chanceux. Tes petits camarades sont mes prisonniers. Tandis que toi, tu vas m'écouter bien gentiment et tu vas me servir de messager. Retourne immédiatement à Alphéa et dis aux Wings que je les attends à Andros et qu'elles feraient bien de se dépêcher si elles tiennent à revoir leurs petits amis en vie. Oh, je trouve que cette invitation ressemble plutôt à un traquenard. Oui, mais on est obligé de s'y rendre. Nos petits amis courent un très grave danger. J'admire beaucoup votre détermination, mademoiselle, mais vous devez rester très prudente. Le destin des spécialistes ainsi que celui de la dimension magique se trouve entre vos mains. Je ne comprends pas, je ne relève rien d'anormal sur l'atoll du portail d'Omega. Mais c'est impossible, Naboo. Valtor se trouve forcément sur l'île d'Andros, il a été très clair à ce sujet. Tu es sûr et certain de ne pas t'être trompé, Naboo? Il se peut que le scanner ne fonctionne pas parce que son ancienne planque était là, au centre de l'île. J'ai beau continuer, je ne reçois aucune émission d'énergie vitale. Je t'assure que cette île est inhabitée. Il faut aller vérifier pour en avoir le cœur net.
Vous pouvez me croire, les filles, il n'y a personne sur... C'est vrai, tout porte à croire qu'il n'y a personne ici. Oui, mais alors je ne comprends pas pourquoi il nous a fait venir ici dans ce cas. Attendez, Valtor est tout prêt, je le sens. Valtor, montre-toi, on est venu comme tu nous l'as demandé, alors libère les spécialistes maintenant! C'est moi qui fixe les règles ici. Voyons comment vous vous défendez face aux éléments. On a déjà réussi à te vaincre une fois, on peut recommencer! Et définitivement! Tu me sous-estimes, tout comme Auritel! Oh, Timmy! Oh, on est avec toi, Tecna! Oh non! Je vais me débrouiller, les autres ont besoin de vous! Il faut qu'on se disperse! Valtor est dans les profondeurs de l'île. Je vais aller le retrouver. Wings Enchantix. Enchantix, dans ta poussière magique, c'est le pouvoir secret. Enchantix, plus fort que je serai, puissance qui se déchaîne. Poussière. Timmy, cage laser! Non! Brandon! Wings Enchantix! Enchantix! Dans ta poussière magique, c'est le pouvoir suprême! Enchantix, plus forte je serai, puissance qui se déchaîne, poussière venue des fées, pouvoir de l'enchantix, aile de lumière, super pouvoir d'Héroïs. Bouclier lunaire enchanté. Non, Valtor, ce que tu as fait est horrible. Tu vas me le payer cher. Wings Enchantix. Enchantix, dans ta poussière magique, c'est le pouvoir suprême. Enchantix, plus fort que je serai, puissance qui se déchaîne, super pouvoir d'Héroïs. Enchantix. J'ai l'impression qu'on est en train de tourner en rond. Et pas l'ombre d'un Valtor en vue. Vous savez où va nous mener ce souterrain? Je suis sûr que c'est ici qu'ils enfermaient tous les criminels avant que le portail Oméga soit créé. Mais c'est horrible! Vous avez entendu? Ça vient de ce côté! C'est curieux, Timmy était... Wings Enchantix! Poussière, venue des fées, pouvoir de
c'est pas lui. Noire de Valtor. Il a résisté à ma meilleure attaque. Cette magie n'a aucun effet sur lui. On y va. Ça ne sert à rien de continuer à le combattre. Le seul moyen de le rendre totalement inoffensif, c'est d'attaquer celui qui le contrôle. Fureur du dragon, trouve Valtor et frappe-le. Ça y est, il s'est arrêté. Ça a marché, je crois que mon pouvoir magique a frappé Valtor. J'allais y rester, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Valtor! Valtor! Qui êtes-vous? Qu'attendez-vous de moi? Tu nous as déjà oublié, Valtor! C'est très contrariant! Ça suffit maintenant, montrez-vous! Vous êtes les trois ancêtres? Alors c'est toi qui donnes les ordres maintenant. Tu nous as énormément déçus, Valtor. La flamme du dragon se languit de toi. Et l'heure est venue maintenant de retourner d'où tu viens. Jamais. Vous m'avez fait naître de cette flamme. Et que ça vous plaise ou non, maintenant et pour l'éternité, je resterai Valtor. Je suis invincible. Vous ne me ferez pas retourner d'où je viens. Comment osez-vous? Des limbes d'où nous sommes exilés, nous ne pouvons pas interférer sur le monde extérieur. Mais rien ne peut nous empêcher d'agir sur toi, puisque tu es des nôtres, Valtor. C'est le sort réservé à ceux qui échouent. Non. Mais qu'est-ce qui vous prend? Tu as perdu tes pouvoirs. Tu les as gaspillés pour assouvir ta soif de vengeance. À présent, c'est à nous de prendre notre revanche. L'heure a sonné maintenant. Tu réclames la restitution de tes pouvoirs. La haine, la fureur, la destruction. Reprends et assume ta forme originelle. Que tu ne pourras plus jamais abandonner. Lève-toi, Valtor, et suis ton destin. Franchis le portail. Détruis la dimension magique. Où crois-tu pouvoir aller? Tout est fini, Valtor.
Je n'ai pas dit mon dernier mot. Tige de lierre très vigoureuse. Tu penses que tu pourras m'arrêter? Oui, si j'ajoute ça en plus. Ceinture magique de plasma. Je te tiens, tu peux leur faire tes adieux. Toi. Et nous sommes toutes là. Convergence, étoile du matin, réfléchis ta clarté sur Valtor. Tout ça pour ça. Et alors, maintenant, on fait quoi? Moi, j'ai une idée. Il s'agit d'un sort que j'ai appris à Pyrrhos, l'île du dragon. Mais pour qu'il puisse fonctionner, je vais avoir besoin de votre aide pour le distraire afin que je me concentre. Les garçons! On ne vous a pas trop manqué? Vous êtes sains et saufs? Pas pour très longtemps. Pouvoir de la flamme, par retrouver Valtor! Bloom! Bloom! Attention à toi! Non! La flamme du dragon! Non! Non! J'ai enfin réussi à le faire! Le sort a fonctionné! Voici l'essence de Valtor, la flamme du dragon! Que celle-ci s'éteigne et te neutralise jusqu'à la fin des temps! Énergie du dragon! Bloom, réponds-moi, s'il te plaît! Elle ne peut pas, Sky, elle est en train de se battre pour nous sauver maintenant! Merci, Bloom, j'ai vraiment eu chaud. Valtor! Tu as fait preuve de courage en venant ici, je te le concède, mais qu'est-ce que tu espérais obtenir en agissant de la sorte, hein? Eh bien, tu ne vas pas tarder à le découvrir! Approche-toi, viens donc me combattre et laisse sortir ta colère, mais n'oublie pas que ça ne ramènera pas à la vie tes très chers parents. Tais-toi, tu n'es au courant de rien, tu ne sais rien sur eux! Aussi, bien au contraire, je t'ai souvent menti dans le passé, et je comprends que tu ne me crois pas, mais ce sont les trois ancêtres qui sont responsables de la disparition d'Auritel et de Marion, et c'est sur elles que tu devrais concentrer ta colère. Je te propose d'unir nos forces. Ainsi, je récupérerai le contrôle de mon corps et nous combattrons les trois ancêtres ensemble. Le pouvoir, la connaissance magique de chaque planète sera finalement à nous. Nous sommes semblables, Bloom, il ne faut pas que tu l'oublies. Nous n'avons que notre pouvoir en commun, Valtor. Et une fois que j'aurai définitivement éteint ta flamme, il ne restera plus rien de toi. D'accord, je t'aurai offert une dernière possibilité. Maintenant, je vais t'anéantir. Poussière de fée, éteins la flamme du dragon. Elle nous a sauvés. Oui, elle s'est sacrifiée pour nous. Bravo, mesdemoiselles. Vous avez réussi là où même la Compagnie de la Lumière a échoué. Merci de nous avoir libérés des ténèbres. Tes pouvoirs enchantiques ne sont pas encore complets. Mais ceci étant, ça ne devrait pas être un obstacle insurmontable pour passer l'examen final. Parce que j'ai confiance en toi, Bloom.
Je sais que tu es fin prête et que tu sauras briser le sort maléfique des ancêtres et que tu réussiras à retrouver tes parents. Oui, j'en suis tout à fait capable. Maman, papa, je sens qu'on va bientôt se retrouver.